Denis. Je suis tatoueur et bientôt j'ouvre mon propre shop ici à Villefort, l'abattoir noir. Je m'occupe de tatouages, un peu dans tous les styles. J'essaye de mettre dans tous les dessins que je fais mon truc dedans, mais c'est ça que je m'occupe, quoi. Déjà depuis que je suis petit, j'étais toujours occupé à faire des dessins. Un peu de dessin, n'importe quoi, un peu de tout, quoi. Et j'ai bossé presque 20 ans pour des autres gens. J'ai bossé dans le secteur privé, j'ai relayé des camions, j'ai porté des poids lourds et j'avais marre, quoi. Et à la fin, j'ai commencé à prendre le tatouage. Parce que c'est un truc que j'aime vraiment bien. Comme je dis, j'aime bien à dessiner. Et c'est ça qui m'a poussé de faire ça, quoi. Et maintenant, j'ai la possibilité de bosser pour moi-même. C'est venu un rêve, pas depuis que je suis jeune. Mais comme je suis aussi un peu musicien et j'étais quand même bien dans le rock'n'roll et le punk et le hardcore et tout, et c'est un truc où les tatouages sont bien présents, quoi, et c'est venu comme ça. J'ai des obstacles, bien sûr, que quand tu es débutant et tu fais des trucs, c'est jamais comme le tatouage que vous voyez dans les magazines ou des tatouages qui sont faits par des tatoueurs qui tatouent déjà des années. Donc c'est vite que tu perds un peu de courage, mais il ne faut pas faire, il faut continuer. Et les premiers tatouages, ils sont pas très, très bons, quoi, mais c'est normal. Et c'est comme dans tous les trucs, en fait, hein. Pour faire un truc bien, il faut le faire 2000 fois, et là tu arrives à bien faire le truc. Mais bon, un tatouage, c'est quand même c'est un peu pour la vie, mais il y a toujours moyen de faire un truc au-dessus, donc je me sens bien, ouais, parce que j'ai réalisé un truc que je suis bien content, et ouais, mieux qu'avant quand j'ai bossé pour quelqu'un d'autre. Dans ma tête, je teste tous les gens, quoi, mais heureusement, dans mon cœur, je suis bien gentil, et il faut juste pour moi, il faut eux qui sont de respect pour moi. De respect pour eux, quoi. Je me sens pas plus qu'un clochard, et je me sens pas moins qu'un manager de je sais pas quoi. Pour moi, tout le monde est le même. J'aime pas les gens qui souffrent. J'aime pas des cons, quoi. Malheureusement, il y a trop de cons. Mais je suis devenu trop vieux pour m'inquiéter de ça, donc je m'occupe que de moi et des gens que j'aime bien. Et c'est tout, quoi. Pour le reste, sinon, tu deviens fou. Je n'ai rien d'autre à dire.